Continuer notre étude sur le Likutei Halakhot. Ilkhot Hashkamat HaBoker Halakha Alef de Seif Yudbet. Le 12, la 12e partie, paragraphe. Pour résumer ce qu'on a étudié sur le Likutei Halakhot, comme on avait dit d'abord, cette halakha là, la première halakha du Likutei Halakhot, il parle sur la Torah 282, la Torah de Hazamra Lelokai Beodi, c'est-à-dire un homme, il doit avoir l'importance de se juger du bon côté, de juger son ami du bon côté, et de surtout de ne pas se regarder du mauvais côté, de se juger du mauvais côté, d'être toujours positif, de ne pas regarder les choses négatives, d'essayer de chercher et de trouver et de demander le plus qu'il peut des bonnes choses. On a vu que Rabbi Nathan, dans le Likutei Halakhot, il nous a fait montrer comme quoi tout ce qui peut exister aujourd'hui, tout le Beit HaMikdash, tout le Mishkan, les Korbanot, les Ktoret, la Tfila, tout ce qu'on fait le matin, tout l'Hashkamat HaBoker, tout est attaché vraiment à ce qu'on avait dit sur le Inyan de trouver les points positifs. On avait dit aussi que les points positifs, ça ressemble à une bonne odeur. Et les points négatifs, c'est une mauvaise odeur. Quand un homme, il se regarde pas bien, Kaviachol, c'est comme si il pue. Et qu'est-ce qu'on fait quand un homme est pu? Il faut qu'il se mette un peu du parfum. Le parfum, c'est de se regarder dans les points positifs, d'essayer de trouver des choses de bon qu'il a fait, et de se regarder comme quoi l'essentiel, c'est la bonté. Et de regarder que les choses de bon, et d'essayer d'oublier, de ne pas regarder les mauvaises choses qu'il a fait. Et grâce à ça, il sent meilleur, et grâce à ça, c'est comme l'ectorette. Rabbi Nathan nous a expliqué que c'est ça, tout ce qu'on a étudié dans les paragraphes d'avant, dans les cours d'avant. Maintenant, Rabbi Nathan, il va nous faire montrer comment les quatre parachutes qu'on lit à Adar, ça attache à ça. Alors d'abord, il faut que je vous explique quelque chose. Vous savez que quand le mois de Adar y rentre, alors il y a une halakha spéciale qu'il faut lire pendant Shabbat, les quatre parachutes, Arba parachutes. C'est-à-dire, quand le mois de Hadar y rentre, on doit dire la parashat Shkalim. C'est quoi parashat Shkalim? C'est comme quoi, au mois de Hadar, le peuple Moshe Rabbeinu, il a ordonné au peuple juif de que tout le monde donne le machatit à Shekel. Comme c'est pas bien de compter les juifs par leur nombre, alors il fallait que tout le monde donne le machatit à Shekel, et ils vont compter le machatit à Shekel. Comme ça, ils vont savoir combien de gens il y en a, en comptant les maratit à Shekel et pas en comptant les personnes, parce que c'est pas bien de compter les personnes, ça donne le Aïnara. Et on a vu dans le Tanar qu'à chaque fois qu'ils ont compté, il y a eu après des problèmes. Après, on lit la parashat Zachor. C'est quoi la parashat Zachor? La semaine qui précède le Purim, on doit lire la parashat Zachor, c'est de se rappeler et de ne jamais oublier ce qu'Amalek il a fait au peuple juif quand on est à peine sorti d'Égypte, et que tous les miracles que Dieu nous a fait, c'était énorme, et que tout le monde en entier avait très peur du peuple juif. Le premier qui est venu combattre, à peine on est sorti en Égypte, c'était Amalek. Amalek, il est venu, il a commencé à combattre contre nous. Et à cause de ça, comme c'est eux les premiers qui ont commencé à combattre contre nous, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je veux que vous vous rappelez ça de toute votre vie. Qu'aujourd'hui, Amalek, c'est le seul, et qu'à cause d'eux, même moi, même Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, même son nom et même son trône n'est pas parfait à cause d'Amalek. Et au moment où on va tous les tuer à Amalek, là, Mashiach va venir, et là, le nom de Dieu et le trône, il va être comme il faut, parfait. Après, qu'est-ce qu'on lit? Tout de suite après que Purim passe, on lit la parashat Para. C'est quoi la parashat Para? C'est la parashat Para Douma. Comme quoi, il faut se purifier de toutes sortes de mauvaises puretés. Surtout l'impureté de la mort. Quand un homme il a touché un mort, ou alors il a touché quelque chose qu'un mort a touché, alors à cause de ça, il faut attendre 7 jours. Et après les 7 jours, le Kohen Gadol, il vient, et il fallait brûler la paradouma, la paradouma, il fallait la brûler complètement, et le Kohen Gadol, il devait jeter comme ça une goutte à ce juif là comme ça ce juif là il redevient kadosh, il redevient pur. Et après qu'on lit la parashat Para, c'est le mois, là où rentre le mois de Nissan, on lit le parashat HaChodesh. Comme quoi la première mitzvah, comme quoi le Chodesh Nissan, le mois de Nissan, Dieu il nous a demandé, comme c'est le Dieu là où on est sorti d'Égypte, je veux que ce
comme c'est ce mois qu'on est sorti d'Égypte, je veux que ce mois-ci, vous allez commencer à comprendre, vous allez commencer à compter les années et les mois, vous allez commencer à compter les mois par le mois de Nissan. Le Nissan, ça va être le premier mois du peuple juif. Et donc, quand il nous a ordonné ça, il nous a ordonné aussi de sanctifier, de faire le Kiddush Levana, de faire le Birkat Levana, une fois par mois, de faire la prière de la lune. Comme quoi la lune, elle se rapetissait, elle se renouvelle toujours au début du mois. Et Rabbeinu, Rabbi Nathan, il va nous faire montrer comment tous ces quatre parachutes-là, ça nous touche aussi au Inyan des points positifs. Et comment c'est important, ce Inyan-là, comment c'est Khashoggi. Alors, il choteshkama taboker alef, seif yudbet. Vezeh bechinat arba parashiot. Tout ce qu'on vient de dire du Inyan, des points positifs, d'après la Torah, Azamra l'Elokai Beodi, la Torah Reshpebet 282, ça parle sur aussi les. On peut voir ça dans les quatre parashiot. Parashat Shkalim. Par exemple, on va prendre la parashat Shkalim, la première parashat, comme on a dit au début du mois de Hadar. On lit la parashat Shkalim pour nous faire rappeler comme quoi il faut donner le maratit à shekel. Bechinat tzedaka. Il dit Rabbi Nathan que en fait le inyan de maratit à shekel, c'est un inyan de tzedaka. Parce qu'en fait c'était pourquoi le maratit à shekel. Qu'est-ce qu'il faisait avec cet argent? Avec cet argent c'était pour entretenir le Mishkan. Et on voit que tout de suite après, dans le mois de Nissan, ils ont construit le Mishkan grâce à l'argent du maratit à shekel que le peuple juif ils ont donné. Donc en fait c'était une tzedaka qu'on donnait pour la maison d'Akadosh Baruch Hu, le Mishkan, le Bet Amikdash. Et qu'est-ce qu'on a dit? Kitzdaka zebirinat chesed l'Avraham, shasat tzedaka vechesed im kol haolam. Et on voit que tzedaka c'est quoi? C'est de la bonté, c'est du chesed. Et c'est qui la personnalité qui nous fait toujours penser à la bonté, à la tzedaka? C'était Avraham. Avraham, on dit chesed l'Avraham. Parce qu'Avraham, c'est lui seul au monde qui a fait la bonté avec tout le monde en entier. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Avraham Avinu, pendant toute sa vie, il a cherché c'est qui le Dieu du monde, jusqu'à qu'il a trouvé que c'est Akadosh Baruch Hu, notre Dieu. Et il a diffusé dans le monde en entier comme quoi c'est Dieu Hachem. Et donc c'est lui, c'est sur lui le symbole de la bonté, c'est le symbole du chesed. C'est le symbole de la tzedaka et du chesed. Mis à part qu'on voit qu'Avraham Avinu, c'est le chesed, et Yitzhak c'est la gvoura, et Yaakov c'est la tiferet, mis à part. On voit qu'Avraham Avinu, il avait une tente, il avait quatre portes des quatre coins du monde. Pour que s'il y a quelqu'un qui vient, qu'il puisse rentrer manger chez lui. Donc en fait, on voit que Avraham Avinu, lui, c'est le symbole du chesed. Et le inyan de la tzedaka, c'est du chesed. Et c'est quoi le chesed? On avait déjà expliqué. C'est quoi la bonté? C'est quand un homme, il se voit bon. Donc on voit que le inyan de la parashat Shkalim, c'est quoi la parashat Shkalim? Le inyan du maratit à shekel, de donner de la tzedaka, en fait, ça fait équivalent, ça nous remet, ça nous fait allusion au nekudat tovot. Parce que de la tzedaka, de donner de la tzedaka, c'est un acte de bonté. Et cet acte de bonté-là, c'est un acte, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on devait faire avec cet argent? De construire le Beth Amikdash. Et si vous vous rappelez bien, on avait dit que le Beth Amikdash, il était rempli de points positifs. On avait dit qu'en fait, Moshe Rabbeinu a demandé que chacun puisse apporter ce qu'il peut. Ça veut dire quoi que chacun puisse apporter ce qu'il peut pour construire le Beth Amikdash? C'est que chacun, il s'est dit dans sa tête, mais moi, qui je suis pour construire la maison du d'Akadosh Baruch Hu. Je suis rien du tout, donc moi je préfère pas donner. Donc Moshe Rabbeinu dit non, je veux que vous regardez dans vous-même. Vous avez tous un point positif. Et par rapport à ce point positif, je veux que vous donniez des choses, des bonnes choses. Tout ce que Akadosh Baruch Hu il a besoin pour qu'on puisse construire la maison du Beth Amikdash. Et quand Moshe Rabbeinu il a parlé comme ça, il a fait remonter le matzav ruach de tous les peuples juifs. Et le peuple juif, ils ont commencé à se penser, c'est vrai? Un jour j'ai fait ça, un jour j'ai fait ça. Ils ont commencé à penser des points positifs, et c'est grâce aux points positifs qu'ils ont construit le Beth Amikdash. Donc de là on voit en fait que c'est la même chose. Le Parashat Shkalim en fait c'est quoi? Pourquoi on doit donner le Maratit à Shekel? Cet argent-là, avant le mois de Hadar, pour construire le Beth Amikdash. Pourquoi on doit le donner en fait? C'est pour donner ma partie à moi de points positifs qu'on a pour construire le Beth Amikdash. Rabbi Nathan nous apporte un pasouk qui est écrit dans Yeshaya, Tzedek ikraeu le raglo. La justice vient du pied. Ça veut dire quoi? Alors, al pipchat, on ne voit pas du tout ce que ça veut dire. Mais d'après ce que Rabbi Nathan il nous dit, c'est très simple.
Tzedek, ça vient du mot tzedaka. Tzedek, c'est la justice. La justice se fait par le pied. C'est-à-dire quoi par le pied? Rabbi Nathan, il dit, c'est les gens qui se croient dans un niveau de pied. C'est quoi un niveau de pied? Le pied, c'est le plus bas. Quand les gens, ils se croient le plus bas. Alors non, il faut donner de la justice à ça. C'est faux. Il faut faire de la tzedaka pour te faire remonter en haut dans le ciel. Quand un homme, il donne de la tzedaka, il se fait remonter. Il n'est plus d'un niveau de pied, il est un niveau de tête. Il est un niveau que maintenant, il a la tête relevée. Il a fait des bonnes choses, il a fait des points positifs. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc la tzedaka, ça me fait montrer au point positif. Et quand un homme, il se fait montrer dans un point positif, si un homme, il ne fait pas les points positifs, alors il est tapé d'un niveau de pied tout en bas. Mais quand un homme, il fait les points positifs, il est tapé d'un niveau très haut. Et Ren Merumas, Bidivre, Rabotenuzal, Bemakom Acher, et Rabbeinu, il a aussi mentionné ça plusieurs fois dans plusieurs torotes. Que quand un homme il donne de la tzedaka, grâce à ça il fait réveiller tous les endroits les plus mal, les endroits qui ont été complètement cachés, qu'un homme il ne voit pas que Akadosh Baruch Hu est là-bas. Pour essayer de voir le inyan de la tzedaka, en fait c'est quoi la tzedaka? Normalement, la logique de la tzedaka, c'est pas logique la tzedaka. Parce que normalement, la logique dans ce monde-ci, c'est un homme, il travaille, il a son argent, il va acheter avec ce qu'il a besoin. Maintenant, pourquoi il va venir quelqu'un, il va me demander de l'argent? T'as pas d'argent, va aller travailler. Pourquoi tu me demandes à moi de l'argent? C'est moi, je me suis travaillé sur ton argent. Et pourquoi je dois te le donner à toi? Si toi, t'as besoin, fais comme moi, va travailler. Mais non, il y a, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné la tzedaka. C'est quoi la tzedaka? C'est vrai, j'ai travaillé, je me suis fatigué, j'ai gagné cet argent. Et je vais te dire quoi? T'as besoin de l'argent, je te donne. Quand un homme il donne de la tzedaka, en fait, il dévoile quelque chose d'énorme. En fait, il dévoile comme quoi j'ai une bonté spéciale qui est plus grande que la tienne. Et cette bonté-là, je te la donne à toi. Et cette bonté-là, c'est un point positif. Donc à chaque fois quand on parle de tzedaka, c'est pas d'afka de donner de l'argent. Toutes sortes de tzedaka. C'est quoi une vraie tzedaka? C'est quand un homme il se fait un point positif. Quand un homme il trouve un point positif dans soi-même, il s'est fait une tzedaka à soi-même. C'est ça la grandeur. La grandeur, comment un homme il veut faire, par exemple, Rabbeinu il nous demande de faire tzedaka pendant Shabbat. Mais comment on peut faire tzedaka pendant Shabbat? On n'a pas le droit de toucher à l'argent. Ben, c'est très simple. Comment on fait tzedaka Shabbat? Quand un homme il se trouve un point positif, alors grâce à ça c'est appelé comme quoi cet homme-là il s'est fait tzedaka avec soi-même. Il s'est trouvé des points positifs au lieu de se regarder avec des points négatifs. C'est ça le secret qui nous dit la Rabbi Nathan. Et c'est ça tout le lignan de la Parashat Shkalim. Tout le lignan de la Parashat Shkalim, c'est que mon cher Rabbi il nous dit, vous savez quoi? On doit construire le Beth Amikdash. On a besoin d'argent. Mais c'est pas l'argent qu'on a besoin en fait pour construire le Beth Amikdash. Ce sont les corps, ce sont les âmes qu'on a besoin. Maintenant, si vous croyez que le peuple juif, vous n'avez pas assez de qualité pour payer la maison du Beth Amikdash, c'est faux. Moi, ce que j'ai besoin, en fait, c'est que vous fassiez de la tzedaka du Machatzit HaShekel. C'est quoi le Machatzit HaShekel? Matériellement, c'est l'argent. Mais spirituellement, c'est quoi, en fait, ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu au peuple juif? C'est de chacun, il doit se faire de la tzedaka avec soi-même. Chacun, il doit se trouver Chatzit HaShekel, un filou, une moitié d'un point négatif, de positif. Même la moitié d'un point positif. Mais l'essentiel, c'est de trouver un point positif. Quand un homme, il va trouver le point positif grâce à ça, c'est ça qui va me donner, en fait, la force et le courage de construire la maison du Beth Amikdash. Et c'est pour cela, à chaque fois, chaque année, depuis que HaKadosh Baruch Hu nous a ordonné la Torah, depuis qu'on fait la Torah et les mitzvot, à chaque fois, au mois de Hadar, on doit toujours commencer à lire les quatre parashot. Donc la première, c'est quoi? C'est la parashat Shkalim. La parashat Shkalim, on a dit, Rabbi Nathan nous dévoile, c'est ça le secret du Inyan, que quand un homme il donne de la tzedaka, en fait, c'est matériellement, c'est l'argent, mais spirituellement, c'est de faire de la tzedaka avec soi-même, c'est-à-dire de se trouver des points positifs. Mais Zebechinat Shkalim chez Nivata Mishkan, ce sont ça en fait, l'argent qu'on donnait au Mishkan. Qu'un Mishkan, parce qu'on a dit déjà tout à l'heure plusieurs fois dans les cours d'avant, que le Mishkan il a été construit par le bon qui a été réuni de tout le peuple juif. C'est pas par l'argent, c'est par le bon qui a été réuni des juifs. Quand chaque juif il est venu, il s'est dit qu'est-ce que je peux donner? Je peux donner ça. Quand il dit « je peux donner ça », ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose de point positif qu'il peut donner. Et quand il fait ce travail-là, en fait, il fait un travail sur soi-même aussi. Qui je suis? Comment je peux donner de l'argent? Ah non, peut-être j'ai fait ça un jour, j'ai fait ça, et je me suis fait ça. Alors c'est bien, je peux donner quand même.
Donc en fait, c'est un travail positif. Quand un homme, il se regarde positivement, comme il faut, il se trouve des points comme il faut, grâce à ça, la personne, elle a la possibilité de construire son Beit HaMikdash, son Mishkan à lui prati. Et c'est ce qu'on fait aussi pendant à Purim, avant Purim, quand le mois de Hadar rentre et qu'on lit la Parashat Shkanim, c'est pour nous faire réveiller tous. Le peuple juif, rappelez-vous, maintenant c'est un travail de points positifs, on doit tous se trouver des points positifs. Donc là, il nous a expliqué Rabbi Nathan le Inyan de la Parashat Shkanim. Et après, Korim Parashat Zachor. Après, on doit lire le Shabbat précédent Purim, on doit lire la Parashat Zachor. C'est quoi la Parashat Zachor? C'est du fait qu'on doit effacer le nom de Amalek, parce que Amalek, c'est lui le premier qui est venu combattre avec le peuple juif, qui l'a fait montrer au monde en entier comme quoi nous, on n'était pas les plus grands. Et qu'il y a quelqu'un qui peut se mesurer à lui. Et à cause de ça, on souffre de Amalek jusqu'aujourd'hui. Alors on doit se rappeler d'Amalek, comme quoi c'est lui la chose la plus horrible qui puisse exister. Bechinat milchemet Amalek. On lit la guerre que Amalek il a fait avec nous, parce que c'est quoi? Alors il nous explique c'est quoi en fait l'union. Qui a les désirs chez Motsin Atov Kanal. Là il nous dit un secret énorme, Rabbi Nathan. Il nous dit, vous savez c'est quoi quand un homme il se regarde pas bien en soi-même? En fait, c'est Amalek. Chaque fois qu'un homme, il se regarde négativement, il se regarde pas bien, il se regarde méchamment, en fait, ce sont des points qui s'appellent Amalek, ce sont des points négatifs. Ces points négatifs-là, c'est Amalek. C'est Amalek Gamou. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il vient, il nous dit, écoute, t'es comme ça, t'es pas bien, t'as fait cette Avera. Pardon. T'as fait ça, donc t'es pas bien, qu'est-ce que tu veux, Bichlal? Il dira, ben non, ça c'est Amalek. C'est Amalek, c'est pas bien. Rabbeinu, il nous dit, nous, on a l'ordonnement de toujours se rappeler c'est qui Amalek et d'essayer de l'effacer, d'essayer de ne plus avoir aucun lien avec Amalek. Et comment on fait ça? En trouvant des points positifs. Quand on trouve des points positifs, on écrase Amalek. Kalidei Shemotin Natov Kanal, parce que quand un homme, il arrive à trouver des points positifs, allez des enichna Amalek. Grâce à ça, on écrase Amalek. Parce que Amalek, c'est la plus grande force. C'est la force qui fait montrer à l'homme comme quoi on n'est pas bien, comme quoi on est des rechaïm, comme quoi on est trop habitué à faire des mauvaises choses. Mais en fait, c'est faux. C'est Amalek qui est ici dans notre tête et qui nous dit, regarde, t'es comme ça. Mais c'est faux, en fait. La pile est à raloucher quoi, chez Israël. Le travail de Amalek, c'est de faire tomber les gens. Les gens, tout le peuple juif, surtout les gens qui sont faibles, qui ilouenem tikva, et Amalek il leur dit comme quoi ils n'ont plus d'espoir. Autre asbeshalom beprinat, comme c'est écrit, vaezanev becha kol anecheshalim, vata ayev veyager. C'est quoi vaezanev? Zanev, c'est du mot zanav. Zanav, c'est une queue. C'est-à-dire, Amalek il va pas aller chez les forts, il va aller d'abord chez les gens qui sont à la queue, c'est-à-dire les gens qui sont faibles. Et qu'est-ce qu'ils vont le dire? Vata ayev veyager. Il dit, tu t'es trop fatigué, tu peux pas, t'as pas assez de force, c'est trop dur, Tikkun Ratzon. Le mikvé, c'est pas propre, il va te dire, la prière, c'est très dur de prier avec la concentration, lentement, et comme il faut, de danser, de chanter, ouais, bon, d'accord, c'est bien. C'est ça qu'il te dit, Amalek, il essaye de tout, de te prendre, de t'enlever tout le ignan, tout le mérite. Il essaye de te refroidir sur chaque chose, il essaye de te dire, t'es fatigué, t'as pas la force. Ça, c'était avant, c'est plus aujourd'hui. Mais ça, c'est Amalek. Amalek, il te perçoit comme quoi t'es nul, t'es rien, t'es faux, t'es un rachat et tu peux rien faire. Tu sais, les anev et anechalim, d'ainu, chalouche, koach, lapinam, les matachas, mes shalom. Il veut les faire descendre des plus bas. Je disais, Bechinat, va les anev, becha, vechoule. Aval, dit Rabbi Nathan. Mais, que chez Zochin, l'imtso, batsmo, mais ça, ça marche. Chez les gens qui ne font pas le travail de trouver les points positifs. Mais au moment où la personne, elle essaye de faire son travail, du jour en jour, tous les jours, d'essayer de se trouver des points positifs, l'imtso ba'atzmo anekuda tova afilubet nefilato chas v'shalom, d'essayer de trouver des points positifs, même quand la personne, un instant même, elle vient de tomber, en faisant des averot, allier des ailes, une personne comme ça, qui a fait ce travail-là, nichna amalek, il écrase le amalek qui vient de cette avera-là. Pourquoi? Parce que maintenant, à chaque fois qu'un homme fait une avera, alors qu'Aviarol, il donne de la force à Amalek. Que maintenant, Amalek, il a de quoi dire. Il a de quoi sur quoi s'appuyer. Voilà, t'as fait ça.
Mais non, mais moi, qu'est-ce que je me fais dans ma tête? Je me dis, mais moi, on a une mitzvah tassé d'oraïta. Zachor et asher asa alecha Amalek. De se rappeler toute ma vie ce qui me fait Amalek. C'est quoi qui me fait Amalek? Spirituellement, Amalek, il m'enlève ma vie. Il m'enlève, il me tracasse. Il me fait montrer comme quoi ma vie, elle est nulle. Comme quoi tout est noir. Comme quoi je n'ai pas de d'espoir. Comme quoi je n'ai plus rien. Mais ça va. Je vais être sûr de ça. Si je ne me fais pas le travail des Nekudot Ovot. Mais si je fais le travail des Nekudot Ovot, d'essayer de trouver des points positifs, à droite, à gauche, de tous les côtés, le plus que je peux, grâce à ça, tout de suite, Amalek, je le tue dès le début. Je le laisse même pas une seule seconde rentrer chez moi. Valkenacha Parashat Shkalim, c'est pour cela que, après qu'on a lu la Parashat Shkalim, c'est-à-dire après qu'on a lu la Shkalim, Shubechinat et Tororut Atov Kanal, Korin Parashat Zachor, c'est-à-dire d'abord, il faut réveiller le bien. Comment on a fait réveiller le bien en Parashat Shkalim? Parce que c'est quoi Shkalim? Si on a fait réveiller le bien, on a donné d'abord une tzedaka. C'est quoi la tzedaka? Une machatit shekel. Voilà, j'ai donné le machatit shekel. Au moment où j'ai donné le machatit shekel, j'ai fait réveiller quelque chose, un tov dans le monde. Ce tov-là, il est réveillé dans le monde. Maintenant que j'ai réveillé ce tov dans le monde, j'ai une force sur quoi je peux m'appuyer pour tuer Amalek. Et quand je viens, quand Amalek il va venir chez moi, je vais lui dire, mais j'ai fait du bien. J'ai fait machatit shekel, j'ai fait de la tzedaka, j'ai fait ça. Et c'est pour ça d'abord on fait Shkalim, réveiller le bien, et maintenant Zachor détruit Amalek. Zemachnim et Amalek aniskarlei. Ve'achakach, et après, il nous dit Rabbi Nathan, Korin parashat para, on lit la parashat para. Après que pour une passe, on doit lire la parashat de la para Adouma. C'est quoi la para Adouma? C'est la tchouva. C'est connu. Bechinat, c'est écrit que la para Adouma, à quoi elle ressemble? C'est écrit dans le Midrash Rabba, dans Parashat Rukat, dans la parasha là où on parle de la para Adouma. C'est écrit que à quoi ressemble la para Adouma? La para Adouma, elle ressemble à une maman. Une maman qui vient, et c'est toujours la maman qui sait que quand son fils est sale, elle va le laver et elle l'aime même quand il est sale. C'est pas parce qu'il est sale qu'elle n'aime pas, c'est sa maman, c'est son fils. Donc c'est une maman qui vient et qui lave. Donc la para Adouma, elle ressemble à quoi? Même qu'un homme juif a été impur, de l'impureté la plus grande, c'est la avi avot atouma, la plus grande touma, même la plus grande touma qui puisse exister dans le monde, il y a toujours quelque chose qui pourra enlever cette impureté-là. Et c'est quoi? C'est la para Adouma. Donc le Midrash, il nous dit que la para Adouma, elle fait allusion à une maman. C'est toujours la maman. Elle est prête à se tenir devant toutes sortes de salissements qu'un enfant peut se salir. Et de le rendre propre. Comme ça. Et on sait, donc si, tavo imo ou tekaner redbna, comme c'est écrit. Elle va venir sa mère pour laver son fils. Alors il nous explique Rabbi Nathan. On avait dit tout à l'heure que quand un homme il essaye de se trouver des points positifs, on avait dit que grâce à ça il tue le Amalek, parce que le point négatif quand un homme il se regarde, c'est Amalek lui-même. Et quand je ne regarde pas le point négatif et je regarde que le point positif, en fait j'ai écrasé Amalek. Donc un homme qui a eu le mérite de se trouver des points positifs et de ne pas regarder les points négatifs, ça c'est le chemin de la tchouva. C'est comme ça qu'un homme il fait tchouva. Et c'est que par cette solution-là qu'un homme il peut faire tchouva. Si un homme il croit qu'il va faire tchouva parce qu'en regardant ces mauvaises choses qu'il a fait, eh ben il se trompe. Cet homme-là, il tombe dans le fin fond du Sheol Tarti du Gehinnom. C'est ça qu'il nous dira Benou. Maintenant qu'on a fait Shkalim, c'est quoi Shkalim? On a fait réveiller le bon. Et après qu'on a fait Zachor, c'est quoi Zachor? On a écrasé le Amalek. On regardait que les points positifs. Mais après qu'on a fait ces deux choses-là, elle vient la Parashat Para. C'est quoi la Parashat Para? C'est la tchouva. C'est quoi la tchouva? Comme quoi, il y a à chaque impureté, il y a quelque chose qu'on peut me rendre pur. À chaque impureté, il y a une purification qu'on peut se purifier et se sanctifier grâce à ça. C'est ça la para. La para, elle sanctifie la personne qui a été impure de l'impureté la plus grande qui puisse exister. Les Ebechinat, c'est ça qu'il y a écrit dans le Zohar, dans la même paracha, la paracha de Chukat, para adumat mima. Pourquoi il fallait prendre une vache rouge, rousse? Parce que la couleur rouge, c'est connu que c'est les gvurot. C'est comme le sang, c'est le din, c'est les choses mal. Da din akashia. Il y a écrit que para aduma tmima dans la Torah. Aduma tmima. Il faut une vache rousse complètement. Alors, il dit le Zohar. Une vache rousse,
C'est quoi le rousse? C'est la couleur rouge? C'est les dinim. Et tmima, parfaite complètement, qu'elle soit complètement, c'est quoi? Dadina rafia. Tmima, c'est parfaitement, ça veut dire le din pas dur. Un din qui est bien. C'est-à-dire pas qui est faible. Dainu, c'est-à-dire. C'est-à-dire, en fait, il y a deux catégories. Quand un homme, il est d'un niveau de din akashia, des dinim qui sont durs, des rigueurs qui sont dures. Azaï Tsarich la rapporte et a dit, alors comment un homme il doit faire pour rendre ses rigueurs un peu moins dures, qu'il soit faible pour qu'il puisse rentrer dans la catégorie normale. À l'idée chez moi, un homme il doit d'abord chercher des points positifs. À l'idée chez Motse, Batsmo et Zenekuda Tova Adain. Quand un homme il essaye de se trouver encore des points positifs, faisait Bechinat Asheren Bamou, Machar Loala Alea Aol. C'est exactement tout ce qu'il y a écrit dans la Paradouma. La paradouma, il faut qu'elle soit, la vache rousse, il faut qu'elle n'a pas plus que deux poils qui sont pas roux. Si elle a deux poils qui sont ou blancs ou noirs, alors la vache rousse, elle est psoula. Et la deuxième aussi, c'est Asherlo ala aleol. Il faut qu'elle ne supporte rien sur elle. Si elle a supporté quelque chose pendant toute sa vie, aussi elle est psoula. Et comment on le voyait? On le voyait par ses yeux, parce qu'au moment où on mettait quelque chose, ça se... Mais là, on ne va pas rentrer dans les dynimes de ça. Mais ça veut dire, en fait, c'était ces deux choses-là. Il dit, Rabbi Nathan, ces deux choses-là, qu'il faut qu'elles soient parfaites, complètes, rousses, et que rien ne puisse supporter sur elles. Il dit, en fait, ça parle de quoi? La vache rousse, le yinan de rousse, en fait, c'est le dinakasha, c'est en fait, c'est les points positifs, c'est les points négatifs. Quand un homme, il se met sur son dos des points positifs, c'est comme si il supporte celui, donc c'est plus une vache rousse. Il n'est pas saoul pour la vache rousse. Qui a un ikuda tova parce que le point positif, Iberinat Yonatama, c'est comme une colombe qui est super belle. Shenbashumum, quand on voit une colombe toute blanche, qu'elle est parfaite. Ina'a veyafa, elle est très belle. Bechinat Chorani Venava, comme on avait dit tout au début, je suis noir, mais ne regarde pas la noireté que je suis parce que je suis belle. Veze Bechinat Metaert Meim ou Metame Teorim. C'est ça que la parade Ouma, elle purifiait les impurs et elle impurifiait les purs. Pourquoi? Parce que quand le Kohen il purifiait la personne qui a été impure, alors grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Il purifie quand il jette l'eau de la vache rousse sur l'homme, l'impureté elle revenait sur le Kohen. Et lui, il fallait que quelqu'un d'autre, et comme ça marchait comme ça, infiniment. Donc ça veut dire, ça rend pur les gens qui ont été impurifiés, et les gens qui ont purifié, ils deviennent impurs. Alors il explique Rabbi Nathan Kizot Abechina parce que ce nyan-là, Machedan et Tatsmol et Kafsrut ou Motse Batman et Krotovot, du fait qu'un homme il essaye de se trouver des points positifs et d'essayer de se juger du bon côté, Zot Abechina Metaeretmein, ça c'est un niveau qui purifie les impurs. Mais d'un côté, aussi, ça rend impurs les purs. Srut Batman, Kedeshali, pas les gamins, Khasvejalan, parce qu'un homme il va se dire, ouais, il va se laisser aller. J'ai fait que des bonnes choses, c'est bien. Je regarde pas les mauvaises choses. Alors c'est un problème. Quand un homme il va y aller trop loin, il va trop regarder les points positifs. C'est en bonne vision. C'est comme la paradouma. La paradouma elle rendait pure la personne qui était impure, mais la personne qui était pure, il redevient impur. Le Kohen lui-même. Ça veut dire le Inyan des Nekudot Tovot, elle a deux forces. La première force, c'est quoi? C'est qu'en fait, si je trouve les points positifs du bon côté, d'une bonne vision, alors grâce à ça, tout le travail de Azamra, de trouver des points positifs et de se juger du bon côté, c'est bien. Mais si je fais le travail de Azamra d'une mauvaise vision, alors à cause de ça, je peux tomber le plus mal. Parce que je m'en fous de tout, je regarde plus rien, je fais plus attention si je dois monter, ou alors si je dois redescendre. Je m'en fous complètement. Et ça, c'est un grand problème. Alors, il nous dit comme ça. Un homme qui est d'un niveau très bas, alors lui, son travail à cette personne-là, d'un homme qui est très bas, son travail à lui, c'est de se trouver des points positifs et de se juger pour pas qu'il tombe encore plus et qu'il perd complètement la foi. Et en fait, c'est ça, en fait, toute sa purification et tout ça. Tchouva, c'est en trouvant des points positifs. Aval, mi ou taor. Mi che ou taor, que charsi katsmo be madrigat atov. Mais un homme, que c'est un tzadik,
quand il va se trouver des points, il va se trouver comme quoi c'est un tzaddik, mais vaday nifga baledeze, qui n'est pas l'égal d'outras bishalom. Alors il va se dire, mais moi je suis très grand, je suis très fort, et j'ai ça, j'ai des qualités comme ça, et j'ai des qualités comme ça, et il va tomber dans la gava. Donc le travail de Hazamra, il est devenu un travail pour lui de gava. Donc moi, Shavu, Abot Nizal, et comme les Chachamim nous ont dit, dans les Pirkei Avot, Afilu kol ha'olam kulo omrim lecha tzadik ata, même si le monde entier te dit que tu es un tzadik, yebenecha ki racha, toi tu dois te voir comme un racha. Alken amru, et là il dit Rabbi Nathan, ne crois pas que là ça parle contre ce qu'on vient de dire, non. Il dit là, il a écrit comme un racha, pas comme un racha gamour. Parce qu'un racha gamour, personne au monde ne doit s'attraper. On doit se regarder juste comme un racha, ça veut dire quoi comme un racha? Que je dois toujours essayer d'évaluer, je dois toujours essayer de monter de niveau en niveau. J'ai toujours un endroit là où je dois encore monter, je dois encore évaluer. Je fais les choses pas parfaitement, je fais les choses pas complètement comme il faut, parfaitement. Et pour cela, il faut savoir où mettre le travail de Hazamra, le travail de regarder les points positifs. Un homme, il doit essayer de se regarder les points positifs toujours d'un niveau où ça va l'aider, ça va lui donner de la tchouva, ça va le purifier, ça va le faire remonter. Mais si un homme, à cause de son travail, le travail de Hazamra, il va le faire tomber, il va le faire rendre de la gava, à cause de ça, il va à cet homme-là. C'est comme la paradouma, elle va rendre impur le celui qui a été pur. C'est pour cela un homme, il doit se faire sortir du racha gamour à être racha. Et d'essayer de trouver des points positifs. Encore un point positif, mais que ces points positifs-là l'amènent dans un endroit où il faut qu'il continue encore, pas qu'il se dit, ah, bah si j'ai fait autant de choses, alors j'arrête. Donc c'est ça la paracha de Paradouma. La Paradouma, elle nous apprend que la Paradouma, elle a deux forces. D'un côté, elle a la force de purifier les purs, et d'un côté, elle a la force de impurifier les gens qui ont été déjà purs. C'est parce qu'il y a deux forces dans l'Azamra. Deux forces dans l'Azamra, c'est une fois un homme, elle peut tomber dans la gava à cause de ça. Une fois un homme, il peut monter dans la tchouva. Il faut juste savoir comment amener la tchouva. Et après, on lit la quatrième paracha, c'est la paracha de Chodesh. Quand le mois de Chodesh Nissan y rentre, le Shabbat précédent le mois de Chodesh Nissan, on lit le paracha de Chodesh, comme quoi Dieu nous demande, comme c'est le mois là où on est sorti d'Égypte, donc ce mois-ci va devenir le saint, ça va être le mois de tous les mois, ça va être le commencement de tous les mois. Achakar korin paracha de Chodesh. C'est là où HaKadosh Baruch Hu nous a ordonné de sanctifier le mois. C'est-à-dire que maintenant, la lune, pendant le mois, on a vu qu'elle se rapetissait et elle devenait plus petite. C'est-à-dire que maintenant, elle commençait à devenir, elle était endommagée, on ne la voyait pas parfaite. Mais maintenant, le mois, on va la voir comment elle va renaître, elle va redevenir parfaite. Kizé Yadoua, parce que c'est connu. Chez Israël, Em Chaz Beshalom. Et c'est connu. Maintenant, Rabbi Nathan, il va nous donner un exemple comment on ressemble à la lune. Qu'au début, la lune, au début du mois, elle grandit, jusqu'à qu'elle est parfaite, après elle rapetissait. Alors, il va nous expliquer comme ça. C'est connu que quand le peuple juif, Emchaz Veshalom, Bemadriga Pruta, quand le peuple juif est dans un niveau qui est très bas, Zebichinat Gam Alevana, qui est Trugayarer, et bien ça ressemble à la lune. Qu'est-ce qu'elle a fait la lune? Quand la lune, elle est endommagée, elle est toute petite. Et on voit qu'elle était grande, et petit à petit elle devient plus petite et plus petite. Et c'est ce qu'elle avait fait la lune. Qu'est-ce qu'elle avait fait la lune? Elle a dit au roi au début de la création du monde, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, le roi ne peut pas mettre la même couronne. C'est ou le soleil ou la lune. Et à cause de ça, Kadosh Baruch Hu, c'est à cause de ce mot-là que toutes les mauvaises choses y sont venues. Parce que la lune, elle a dit ça. Tous les kitrugim, tous les décrets, toutes les mauvaises choses, ils sont venus à cause de cette parole-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand un juif, il se réveille de l'endroit là où il est, et il essaie de se trouver en lui-même des points positifs, et que quand il se trouve des points positifs, il voit qu'il a encore de l'espoir, alors il fait tchouva. Ça s'appelle Zebechinat Milui Alevana Mibgimata Bechinat Kiddush HaChodesh. Ça s'appelle quand la lune, elle commence à renaître depuis le nouveau. Et c'est quand ça se passe à Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh, quand on voit la lune, elle est toute petite. Elle est vraiment comme une banane, comme un tout petit trait. Et petit à petit, ça s'appelle quand un homme, il s'est trouvé un point positif. Un point, c'est un point.
C'est-à-dire on voit la lune comme un tout petit point. Et petit à petit, il commence à se trouver des points positifs. C'est pour ça qu'au petit à petit, on voit que la lune, elle grandit. Elle grandit. Et c'est pour cela que c'est quand on doit faire la birkat alevana, c'est quand on voit 7 jours après qu'on a vu la lune. Pourquoi petit à petit? Pour qu'on voit que d'abord elle va de ce chemin-là. C'est-à-dire qu'il se trouve des points positifs. Qui car qui touche à Chodesh, parce qu'en fait, quand on fait la bracha de la lune, au début, la lune, elle est toute petite. Et elle ressemble à un point. Et c'est de quel point qu'on parle? On parle du point positif. Ça fait allusion au point positif. D'un côté, c'est noir, mais d'un autre côté, je suis belle. Mais comment ça se passait avant le Kiddush HaChodesh? Avant qu'on avait le calendrier, le Beit HaMikdash, quand le Beit HaMikdash était construit, il y avait la mitzvah du Kiddush HaChodesh, c'était deux personnes, ils allaient sortir voir si la lune allait chercher. Alors, il fallait qu'ils cherchent dans le noir, c'est-à-dire dans toute la noire, dans la nuit, si la lune allait sortir. Et là, Rabbi Nathan dit, ça fait allusion à quand un homme il va se chercher à soi des points positifs. D'abord, il voit, la première chose, il voit que tout est noir. Il voit que tout est noir, il ne trouve pas. Après, les deux personnes, les deux témoins, dès qu'ils ont vu la lune qui était comme ça, tout de suite, ils allaient courir au Beit HaMikdash. On a vu la lune comme ça et comme ça, et elle se tenait ici, ici, ici. C'est là où, au moment où un juif a fait allusion à ce que quand un homme, un juif, quand il a vu que tout était noir, il a essayé quand même encore de chercher, jusqu'à que Bassof, il a trouvé quelque chose, il a trouvé un point. Un point, c'est la lune, j'ai trouvé un point positif. C'est alors là où le Bedin disait aujourd'hui, c'est Mekoudash, Mekoudash, Mekoudash. C'est bon, on peut. Ça, c'est Kadosh, on peut rendre le bois Kadosh. On peut faire Rosh Chodesh. Mais Bedin, pourquoi? Parce que ça s'appelle la réparation Kaviachol de la lune. Parce que quand la lune, elle a dit, deux rois ne peuvent pas mettre une seule couronne, alors Kadosh Baruch Hu, il a jeté la lune, elle a rapetissé la lune. Et depuis, c'est à cause de ça que la lune, elle est petite, elle est grande, elle est petite, elle est grande, elle est petite, elle est grande. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous on fait l'inverse de ce qu'elle a dit la lune? Quand la lune elle a dit des malheurs, nous on vient, on se trouve des points positifs alors qu'on répare la lune. C'est pour cela que quand on répare la lune, ça se passe à Rosh Chodesh, la lune elle commence à grandir et à grandir. Et ça fait allusion à nous quand la lune est toute petite et qu'elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi. Ça fait allusion à nous quand nous on essaye de se retrouver des points positifs. Même quand des fois c'est qu'un seul point, comme la lune des fois c'est un seul point. C'est pour cela que le Bedin disait Mekoudash, Mekoudash. Parce qu'il dit Rabbi Nathan, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande à nous, c'est de ne pas trouver des mille et des cents. C'est de trouver un seul point. Et au moment où on a trouvé un seul point, Nitkachin, on est déjà sanctifié. Grâce à ça qu'on se juge du bon côté. Juste un seul point. On ne veut pas plusieurs points. Un seul point. Au moment où tu as trouvé un seul point, Mekoudash, Mekoudash. Si tu as trouvé un seul point dans le ciel de la lune, déjà c'est Rosh Chodesh. Pareil pour nous. Umuva beferush rashi ki akochavim eramzin al bechinat hanekudot tovot. Et c'est quoi la preuve de Rabbi Nathan? Parce que c'est écrit que qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu après que la lune a dit le deux rois ne peut pas mettre une seule couronne. C'est écrit qu'il a rapetissé et qu'il a éjecté dans toutes les étoiles. En fait, toutes les étoiles, c'est une partie de la lune. Mais c'est quoi les étoiles, en fait? Les étoiles, c'est des points positifs en plein milieu du noir qu'il y a dans toute la galaxie. C'est plein de points positifs. Donc, en fait, c'est quoi les points? Ça fait partie de la lune. Ça veut dire qu'un homme, il doit se regarder toujours ses points positifs. C'est ça que ça nous fait faire montrer. Et ce travail-là, celui qui le fait parfaitement, ce sont les tzadikim, qu'ils arrivent vraiment à juger tout le monde du bon côté. Et ils ont le mérite, ils ont la force de faire rentrer même les gens les plus bas, même les gens qui sont appelés les pochés Israël. C'est pour cela qu'on est appelés tous des kochavim. Bechinat ou matzdika, rabim ka kochavim, ka kochavim, et bechinat nekudot. Parce que les étoiles, ce sont des points.
Et en fait, ce pasouk là, d'où il vient, il nous dit Rabbi Nathan. En fait, ce pasouk là, il vient de Daniel. Daniel, il a dit comme ça. Va maskilim yaziru kezor arkia ou matzdike arabim kakochavim. Les personnes qui veulent voir, les personnes intelligentes qui veulent voir les choses briller, il faut qu'ils voient les étoiles la nuit. Grâce à ça, ils vont voir les choses briller. Comme ça, il dit Daniel. Nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Il dit Rabbi Nathan, c'est très fort. Il dit les personnes intelligentes qui veulent voir vraiment briller, c'est-à-dire en fait, ils veulent se voir du bon côté, il faut qu'ils regardent les étoiles. Parce que quand ils vont regarder les étoiles, ils vont comprendre qu'en fait, les points positifs, on les trouve toujours dans le là où il n'y a que du négatif, devant tout le noir, devant toute la galaxie. Et c'est ça, et c'est pour ça que la Lune, et tout ça, c'est en fait un effet de la Lune. Et la Lune, c'est tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est tout le yin-yang, de trouver des points positifs. Et ça parle en fait de quand? Ça parle surtout, à la fin de tous les temps. Quand nous tous, quand à la fin des temps, comme aujourd'hui, où les tavot, ils vont être remplis. Remplis de tavot, remplis de péchés, ce monti va être tellement rempli de choses qui nous attrapent et qui nous attachent et qu'on est... On n'arrête pas, on est toujours attaché, on est des esclaves de ce monti. Et on est complètement, vraiment, on est vraiment dans la citrara, on est vraiment dans le noir, on est vraiment dans le négatif. Alors là, il vient Daniel, il nous dit, non, comme la galaxie, elle est énorme, elle est toute noire, il y a plein d'étoiles, toutes ces étoiles, ce sont des points positifs, regarde-toi, regarde le travail, quand les gens avant, comment ils faisaient Rosh Chodesh, il fallait sortir deux témoins, et quand ces deux témoins-là, ils sortaient, il fallait qu'ils cherchent la lune. Et ça, il suffisait qu'ils trouvent même un seul point. Et au moment où ils trouvaient un seul point, tout de suite, le peuple juif il disait « Mekoudash, sanctifié ». Et comme ça, ils faisaient le Rosh Chodesh. Donc nous, c'est ce qu'on nous demande. Nous, on demande, c'est vrai que c'est rempli de noir. Mais ne regarde pas le noir, regarde le blanc. Regarde le beau, regarde ce qui est brillant. Regarde les étoiles. Les étoiles, ce sont les points positifs qu'on a en nous. Et au moment où tu vas te trouver tes points positifs, tu vas en trouver plein. Tu vas en trouver plein des points positifs. Il y a plein d'étoiles. Mais tous, tu vas te dire « Ouais, c'est peut-être pas moi. » Trouve le point positif de la lune. Comme la lune, trouve la lune, essaie de trouver la lune, le point positif qui te parle, qui t'aperçoit comme quoi vraiment je suis bien. Et là où tu vas trouver un tout petit seul point qui t'attache à toi, que vraiment tu arrives à te trouver, à te rendre comme il faut la simcha, et à te rendre la joie, à te rendre l'espoir, là tu vas être mekoudash. C'est ça qu'il nous dit. Vezeh bechinat, et là il nous dit Rabbi Nathan, et c'est exactement ce qu'on dit le matin. Alléluia kol korveur. Dans les Alléluia, on dit Alléluia kol korveur. On dit louer toutes les... On demande aux étoiles de louer Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi les étoiles? De qui on parle? Il dit Rabbi Nathan, en fait, on parle des points positifs. On parle, c'est nous, on est appelés des korveur. Nous, on est appelés des étoiles qui éclaircissent, qu'on éclaircit le monde. C'est sûr, si on fait le... C'est, si on fait le travail de Hazamra, alors on est appelé des étoiles étoiles filantes. Mais si on n'est pas des étoiles, si on fait pas le travail de Hazamra, on n'est pas des étoiles filantes. Mais c'est ça qu'on dit le matin, Alléluia kol korveor, que tous les étoiles filantes puissent louer Dieu. En fait, ça parle à nous, à ceux qui font le travail de Hazamra, de se trouver des points positifs. Shemchinat kochav memerim aledezei chonin leodot ou la Hashem. Et c'est que quand un homme il arrive, c'est que quand un homme il s'est rendu une étoile filante. Ça veut dire quoi? Il s'est rendu une étoile filante. C'est-à-dire qu'il a fait le travail de Hazamra. Il s'est trouvé des points positifs en plein milieu du noir. Que quand un homme il a fait ce travail-là, Alléluia. Alors là, il peut louer à Kadosh Baruch Hu, il peut remercier Dieu, il peut prier Dieu, il peut faire le service divin. Bechinat Hazamra le lokai beodi, vezeh bechinat shentan el levanat hakochavim lafis data, kede bechinat hakochavim shemchinat hanekudot tovot kanan dezein taken gam levanat kanistarlei. Vezeh bechinat kimat chatzot, et là Rabbi Nathan il revient depuis le début. Ce qu'on avait dit sur le union de chatzot, c'était quoi en fait? Chatzot, c'est tout le lien des points positifs. Jitrine Shaber Tokef Hashana, qu'est-ce qui se passe pendant Chatzot? On est en train de dormir en plein milieu de la nuit. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de se réveiller en plein milieu de la nuit, de briser la nuit. C'est-à-dire, quand on dort, tout est noir. Quand on se réveille, tout est blanc, même s'il fait noir, parce qu'on voit. Donc, en fait, c'est de briser le noir, de se trouver des points positifs en plein milieu de l'obscurité de la nuit. Et ça, en fait, Chatzot. C'est-à-dire, en fait, on peut se réveiller Chatzot même en plein milieu de la journée. Comment on fait ça? Quand un homme il fait ce travail de points positifs, de se trouver des points positifs, alors grâce à ça, c'est comme si qu'il a brisé le noir de la nuit et il a fait rentrer de la lumière en plein milieu de son noir. C'est ça Chatzot en vérité.
וזה בחינת כמעט חצות שצריכים לשבר תוקף השנה על ידי הנקודות טובות הנ"ל, בבחינת אורה כבודי, אורה נבל וכינור, וזה בחינת כינור של דוד. C'est ça qu'il a écrit, il dit, Rabbi Nathan, qu'il y avait un violon, une harpe, qui se tenait au-dessus de la fenêtre de David HaMelech, qui jouait à Chatzot par un vent du nord. Et de quel vent on parle? Ruach Tova, les Kudot Tovot. On parle du bon vent. Le bon vent, c'est les bons points. Ce sont les bons, les bonnes mélodies. Parce qu'on avait dit qu'en fait, tout ce sont des mélodies. En fait, tout c'est des mélodies. C'est un inyan de mélodies. Quand un homme, il se joue du bon côté, alors c'est bien. Mais quand un homme il se joue du mauvais côté, alors ce sont des mauvaises mélodies. Et c'est de ce vent-là que l'harpe de David jouait à Hatzot d'Afka. Pourquoi ça jouait à Hatzot? Parce qu'à Hatzot, il se faisait un travail de tri entre mal et de bien en se trouvant des points positifs. David HaMelech lui-même, il faisait ce travail-là. Et en faisant ce travail-là, c'est comme ça que cette harpe-là, parce que c'était un roi Artova qui est rentré dans le monde. Maintenant, on revient pour le mois, pour le parashat Achodesh, la quatrième parasha, que qu'est-ce qu'on là-bas on mentionne comment on est sorti d'Égypte. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce mois-ci? On voit comment c'est écrit la première mitzvah, la mitzvah, comme on est sorti au mois de Nissan d'Égypte. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de sanctifier ce mois, comme quoi ce mois-là, ça va être la tête de tous les mois, ça va être le premier mois de tout. כי עיקר הגאולה של יציאת מצרים על ידי בחינה הנ"ל בחינת ועבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך ראינו שישראל היו מלוכלכים. Parce qu'au début, avant qu'on ait sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu est passé en Égypte. Il a vu comment le peuple juif était complètement sale. Il était complètement sale de tous les péchés qu'il y avait. Ils étaient dans 49 portes d'impureté. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu pitié d'eux. Et c'est Dieu lui-même qui a trouvé des points positifs en plein milieu de la Touma des Égyptiens. Moshambo Bishwar Badvarim Levan Nigalou. C'est Bekhinat Nekudot Tovot Shematsabayam Hashemibach Afilu Bemitzraim. C'est le travail, c'est Dieu lui-même. Il a fait ce travail-là de Hazamra de trouver des points positifs au peuple juif. Et c'est grâce à ça que Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé le peuple juif. Il a délivré le peuple juif. Pourquoi il a délivré le peuple juif? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que même s'ils sont tombés le plus bas, comme c'est écrit, Vomar Lar Bedamai Chahir, Bedamai Chahir. Je t'ai vu rempli de sang, rempli de sang. Mais quand même, Kadosh Baruch Hu, il s'est mis dans sa tête que je ne veux pas regarder les mauvaises choses qu'il y a dans ce peuple. Je veux regarder les bonnes choses qu'il y a dans ce peuple. Et même là-bas, on peut trouver des bons côtés. Même dans les 49 portes de l'impureté, on peut trouver des bons points. Et c'est que grâce à ça, que Kadosh Baruch Hu, il a délivré le peuple juif. C'est pour cela que la première mitzvah que Akadosh Baruch Hu nous ordonne, c'est de sanctifier la lune. Pourquoi sanctifier la lune? De faire la birkat alevana? Parce qu'on a expliqué que la levana, c'est de trouver des points positifs. C'est d'essayer de chercher dans toute la galaxie le noir, la lune. Et là, on rend le Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a dit, vous savez pourquoi c'est la première mitzvah, le birkat alevana? Parce que tout ce que ça vous a délivré du peuple juif et que grâce à ça vous êtes devenu mon peuple et que grâce à ça vous êtes devenu des juifs, c'est parce que moi j'ai fait ce travail de Hazamra, j'ai fait le travail de trouver des points positifs. C'est que grâce à ça que vous êtes délivré. C'est pour cela que je vous en donne tout de suite une allusion, c'est de faire la même chose. Que chaque fois que vous voudrez faire un Rosh Chodesh, il faut que deux témoins sortent en haut dans le ciel et qu'ils cherchent la lune. Et au moment où ils vont la trouver, ils vont la raconter au Bedin, et le Bedin, ils vont dire « Mekoudash, Mekoudash ». Et c'est quoi de trouver la lune? Tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est d'essayer de chercher où et de trouver un point positif, de trouver la lune, de trouver un seul point, quand la lune est encore toute petite. Et Dieu, il nous a ordonné qu'en fait, c'est que grâce à ça que vous êtes délivré. Donc si c'est ça qui vous a délivré, Mida Keneged, Mida, vous, votre premier travail à faire, c'est quoi? C'est de faire la mitzvah de Hazamra l'Elokai Beodi. Donc celui qui nous dit maintenant qu'Azamra et le Kaïbe dit c'est pas une mitzvah, ben c'est faux, c'est une mitzvah tassée d'Oraïta, de se trouver des points positifs et de se juger du point positif. C'est grâce à la Kiddush HaChodesh, c'est la première mitzvah que Dieu nous a ordonnée. C'est ça ce qui nous fait allusion le Parashat HaChodesh, que dans la Parashat HaChodesh dedans, ça inclut la Yetziat Mitzrayim et le Kiddush HaChodesh. Et comme on est sorti d'Égypte, il nous dit Rabbi Nathan, c'est comme ça qu'on va sortir aussi la délivrance parfaite. Quand le peuple juif va être tous réunis, que le Mashiach va venir. Baruch Hashem le Olam, Amen, va Amen.
Yiratson, qu'on puisse vraiment faire et accomplir tout ce qu'il nous a dit Rabbeinu et Rabbi Nathan, Bezrat Hashem, dans tous ces travails-là. Bezrat Hashem. Amen.